Bonjour à tous, ici Charles Alisson, et donc pour le deuxième tour pour le championnat 2021. Et ça fait là, nous avons groupé avec le groupe DPZ. Et à ce nous gagnons tout le monde, je vous fais faux. Ok, premier round, tu as pas joué contre Autogas. Et ça va me prendre sur écoute, comment ce point-là. Mais me lancer toujours pour une prochaine. Alors. Autogas, Melusic, Securitas et Multifical. On sait quand même mal que ça change qu'il répond Melusic au terrain de Sider. Et dans tout Pendulum, il y a Stop Pendulum Graph, l'autre terrain, avec Tangaza Magician. Avec Off Dragon, low scale gauche et double arresto scale côté droite. Et un chronographe sur serait dans PSP Stradic. Et Pendulum Sun pour chronographe sur serait, c'est un code. Et Securitas bounce chronographe and phase. Tout Autogas, Link Sun pour Estia. Il gagne Search avec Melusic et Securitas pour reprendre Autogas Manifestation. Et Autogas prend Autogas Marionette. Quand c'est qu'un Nova Summon Marionette. Et Misset Autogas Protocol depuis deck. Marionette plutôt il battle et Extia aussi battle. Il est pas destiné avec Melusic. Et Benjamin Search Honor Zing Magician. Et une seule fois, on a fait match pour l'effet stop pendulum graph quand on fait ce match pendulum hit terrain, il ajoute un match pendulum depuis là. Donc on va sortir les codes et faire ce tour. Tour pendulum, quand c'est qu'un scope pas de joker. Il ajoute un bubble poison. Il y a double arrêt sur ce scope pas joker pour doubler battle damage quand il battle un bonus master. Et comme ça, il trigger ce propre effet quand il détruit, même pour ce propre corps d'effet. Il achète un pendulum graph depuis deck. Il achète encore un pendulum graph. Et il y a encore une search pour stop pendulum graph. En fait, c'est une pièce de match même s'il était depuis soit à master zone, soit à pendulum zone. Donc il gagne encore une search et il prend Wizard Eye. La suite de Mario comme scale et activer ce propre effet détaillé pour search and Celestia Magician et activer tape un graph pour bête Exia donc tant que c'est propre Celestia Magician avec Exia pour détruire tirer une Exia pour negate et send tribute marionette et pour lui encore un monstre au terrain d'archi protocole pour summon notificat et fait que effet summon Melissi et pendulum sun pour double arrest from last match avec purple poison et archi from last match sur l'effet mais les négateurs Autogas négatif pour Autogas protocole de summon notificat plutôt il active off dragon sur l'effet mais extra il est quand même négatif en spot-on c'est effectivement spot-on c'est ce search fact. Donc les Free Melusic, il get Off Dragon Action et par Melusic sur l'effet, les Search Conquery. Battle Phase, pour combattre Attaque Estia, mais il gagne Attaque par Conquery. Et il target Stop Agent Graph pour Negate, tant qu'il conquer plus optimal. Le PS2, X-Zone, devait rester pour la prochaine pour mettre Time Star Machin. Autogas Open avec un Autogas Manifestation pour recevoir Securitas et Securitas Bounce, Time Star Machin. Enfiz et tout Autogas, Extia, X-Zone, enfin, Extia. Marionette normal, effet, 7 Autogas Protocol, Battle et quand il battle détruit Scott Pat Joker, il gagne l'effet chronographe sauf cela pour Summoning. Chronographe sauf depuis la main pour Summoning, c'est là. Main 2, exemple pour en connexion. Et vous gagnez Exia sur l'effet dans ce qui est Search. Et le Multifica. Et dans ce tour, il y a. Voilà, Scoop, parce qu'il est déjà fait que pour revenir et voilà. Pourquoi il gagne. Bon, ça vous termine un peu sa vidéo recording là, mais. Comme dit, le zoom ni quand je peux faire cette dernière duel. Et en bref, ouais, on te gagne. Ok, premier round pour vidéo là, c'est je pense que Benjamin pour te gagne. Moi, je trouvais que Benjamin a tout souvent Marco Removal, mais dans toi. Donc, trop bonheur. Trop bonheur. Ouais. Et ouais, dans le rang de la CA, il y a la coupe qui s'est apportée.
Andes, ça fait là toujours dans le groupe B, mais c'est Dino contre Machina. Et là, Machina a commencé avec une Machina redeployment pour search. Fortress avec Citadel. Normal, ça va Metal Cruncher. Effet Reveal 3 pour random. Là, attends, ça ajoute un là-dedans. Et reveal Heavy Freight, Infinite Rock Anchor Drill avec Super Bullet Express String. Et là, ça ajoute un là-dedans random. Il conche avec un Protoss, Discord Game avec un Harvester pour Gasman Game. Fortress, Nixon pour Ballista et l'effet Search Gearbox. Et Gearbox sur l'effet quand il rate du run, il gagne Search on Machine. Donc Infinite Crop Cruncher. Vous êtes Cruncher avec Gearbox de fermé pour Summon Fortress depuis semi-cher, ça voilà. Et Cruncher Effect Banish pour Summon Harvester. Et comme ça, il gagne Harvester sur l'effet, add Brutal Dozer. Et Aster Axi Harvester sur l'effet pour Target Fortress, comme ça, tu es des pins 29. Et il skill summon pour Enter Blast Nier. Ça lui banish un random code via une adversaire sur l'armée. Il summon plus de ça depuis l'armée, il tribute un Earth Machine, donc il cherche un Ballista. Moi il summon depuis l'armée. Et quand il spirit summon, il gagne spirit summon un Earth Machine, un Infinite Rock Master depuis deck. Donc il summon Tonnerre. Il skill summon pour un River Stormer. L'effet, il tâche pour ajouter un Heavy Freight. Il examine pour un Infinite Black Goliath. Il va stormer l'effet Tribute Goliath pour Rossum Diem et il rajoute encore un Goliath. Et Tonnerre, il fac. Parce que les. Voilà, plutôt c'est Fortress, il fac encore un coup. Les Safaris étaient sous Bullet Express Train. Sony. Nixon pour un canacol. Archie sur le feu. Des San Citadel depuis l'armée, mais dans ce métier pour Simon. Un Bullet Train. Heavy Freight à Rassonium. Xy Simon pour Super Dura. Et ça va y acheter l'effet Tonnerre là pour Shuffle Swan Mons. Target 5 machines, Earth Machines de cimetière, Shuffle 2. Et il pioche des codes. Et Spadura effet, détache pour un Fang Tot. Comme ça, les gars dans une phase reprend Bullet Train, il reprend Bullet de sa mettant en main. Et tout le jeu commence un Terraforming, Poussage, Lost World, Fossil Dig, Poussage, Misk. Encore une Fossil Dig, Poussage, Baby Sartorus. Un ami beaucoup spell. Et Cachy Lost World. Spell du RFE. Comme ça, il est infecté par Lost World sur l'effet, comme a toujours gagné sur défense. Enfin, il ne fait ça, mais en même temps, il gagne Heavy Fight sur l'effet pour Target Lost World Detail quand il détache comme matériel. Normal Summon Oviraptor, Sunshine Rex et One for One, Sun Rex de Cynthia, Summon Okoso. Animado, notre Vivasaurus, même Animado Okoso, DS Vivasaurus, Search de Europil. Et Vivasaurus, Summon Okwan, même copie de Vitek. Oviraptor, détruire ce qui nous retire là pour Summon Vegasaurus dans ce michel là. Et ce qui est dans ce michel là activé pour Summon encore Oviraptor. Et Aster. Machina est actually Traffic. Il banish Machina Overdrive pour cette encore une copie. Et lister, partir,
Agarapura se fait pour summon Bullet Train. Et Machina Overdrive mettra Bullet Train pour summon Metal Quencher. Et comme ça, il y a un Citadel se fait quand Machine Detroit reste un minimum. Et Metal Quencher aussi Resolve pour ajouter soit Gearbox, soit Anchor Drill ou bien Harvester. Et pour ajouter, il faut Gearbox parce que sinon je peux acheter encore une carte. Donc, c'est Anchor Drill, c'est Harvester. XS pour. Non, c'est intéressant. XS pour Reader's Knight. Et l'excellent pour Link Rebo. Et Link Rebo pour Sekiro Gana. Punish. Deux pour Devil Hobbit. Deux Cynthia pour Tyranno. Reader's Knight. Il trash un matériel pour Savan Dewey Stradak. Hawk Rebellion. XS Dragon. Comme ça, il détache un matériel pour lui attaquer combinaison. Aucune attaque de tout le monde sur le terrain. Et Battlefield s'est attaqué, c'est vraiment ça. Game 2, il commence avec Lost World. Jilo commence avec Lost World. Nomad Summon, Animator Okozo, gagne token au terrain. Soit acheté par le pile, mais il gagne contre un lock. Et Instead of Virato se les fait, les Sand Misk. Il summon pour Nikolubo. Et Misk est fait, Banish Jay pour summon Begasaurus de Yak. Virato. Détruire Ressource pour Summon Coin et Jarrex Summon. One for One pour Discord Gamma pour Summon Vela. Juste pour gagner un Link 4 Apollosa. Faux matériel Apollosa. Double Evo Pill, Banish Gamma et en coin Jilo, Summon Tyranno. Et XC Summon pour Lagia. Machina, il commence avec un Heavy Forward pour y ajouter un monstre infini par le deck et il ajoute un code vue. Conseiller un Ritual pour Sun Heavy Forward. Ah, il discorde un code pour ajouter Machina, un monstre Machina. Et c'est la Jelle Fortress. Master, Machina, Félix d'équipeur, parce qu'il y a un board d'appel impressionnant, 4 matériaux pour Apollosa. Donc 4 Master Negate, un Lagia qui peut negate Spell Trap Activation, ou bien un Summon qui part sur la chaîne, et Tyranno pour Book of Moon. Puis un Lost World, donc il part 3 cap target, Summon Court, excepté ce token. Mais notre machina n'est pas vraiment target, c'est plutôt dans ton adversaire pour avoir Citadel sur l'effet. Et il faudra summon bien pour cette Citadel. Tyranno l'effet d'être lien pour cette Fortress. Normalement summon un quadril, negate summon pour la guerre. Et un phase, on va dire. Donc. Tout Jilo, Nomad Summon Petit, Effet Lost World Summon en point token, Battle Phase Petit attaqué, on peut se détruire Tokana donc il est en point petit depuis deck et Summon Oviraptor. Oviraptor Search Tyranno, il est attaqué, non, Oviraptor pour détruire ce petit trop petit pour Summon en coin et Summon Paratops pour l'effet petit. XS pour un 2K ça voilà. Et il gagne Tyranno le terrain, plus un lambda. Tout machina. Commencer avec un bon starter, Harvester, mais un peu le sans negate. Ça c'est un negate et reste encore 3. L'effet Harvester pour qui a un niveau là, pin 12, mais. Aucun coup d'un peu le sans negate et c'est marqué, plus que Tyranno, Book of Moon.
Et voilà. Ouais, pas content, bien là, quand t'as à ma dernière ronde, nous parlons. Pareil. Et Astéa pour round 3. Ça a une fiche de match un peu intéressante, ça va vraiment faire du dans le groupe D. Michigan Tribe Brigade contre Dragonic, un deck Pifo qui était avant un certain temps, un des mois avant, contre deck Pifo qui était Astéa. Tribe Brigade commence avec un fractal, vous êtes Kit, vous êtes Naval et Sage Keras. Keras, Sun and Xion Lim. Keras Vanish, 4 de 2 pour Summon Shurek. Lixon en Keras et Kaj Shurek pour Ferrigit. Shurek fait Sage Tiko et Ferrigit, Summon Naval. Link pour Verbo. Naval peut faire Summon Verbo. Et Link pour Apollosa. Gun Revolt et Fish and Cloud. Tout adversaire de tout la Dragonic qui commence avec un Quick Launch, acheté, l'élection encore un Quick Launch. Donc les gars, c'est Summon Rocket Tracer qui aspire Sun Doctor Vision depuis l'armée pour Search and Wire Buster. Normal Summon Rocket Synchron, Link pour Striker, après ça, Negate Striker sur effet. God Dragon Recondition, et je peux Summon Andrew Sincha, mais Sun King Banish pour Dico. Link pour Heart Exile, Wire Buster Summon Yum, et Lanky Tribe Gate Action Revolt. Summon 4 pour mettre un Shurek. Plusieurs Chainlink, mais au final, gain Search Kit et Banish Heart Exile. Chaos Space Banish pour retourner 1 et Fusion Cold. Mais ça me tue, qui a peur. Tout Tribe Gate, les conchiers, Gate pour mettre Press Web, effet Shurek, Banish, Fire Buster, et Nixon pour un Access Code Talker, et ça marche. Enfin, la Tribe Gate in set support en premier, et la cosa qui est Dragon Link 4 a beaucoup apprécié. Et Game 2, bon, rappelle, je suis à Dragon Link sur l'armée, et ouais, les fans commencent avec un bon l'armée commencement. Machine a beaucoup de sector launch, 2 Chaos Space, 1 Land Second Ash, donc les bonnes cartes vous appellent. Il passe tout. Tout Tribe Brigade, Machine a, je crois, Search avec Naval, mais Chain Ash, et Land King décide pour Chain Lens, Cobra Grave, je crois, Negate Ash, mais l'ancien en plus Cobra Grave Resolve, donc il n'y a pas Negate. Ça, il arrête tout Tribe Brigade pour au moins un tour, Battle of Desires, il n'a pas caché Battle of Desires malheureusement, il y a un l'ancien. Et du coup, caché, tu peux taxer un land pour que je décode. Donc, on va faire un fractal et battle. La BGS2 est fait. Sandium. C'est un point de code. Et 17D. Il est tout. Enfin, tout dragon, il gagne Wire Buster dans l'armée. Il gagne Surge. Un collapse en fin. L'effet collapse un peu, dans ce propos, c'est une mécanique, Banish Light, donc la Buster, ça va bien. Mais, Fire Brigade, Archie Revolt, ça va le Shurek, et ouais, Banish, collapse un peu. Et ça ne me vient pas surtout, pas vrai. Tout Fire Brigade, il continue avec un bot plus sérieux, que les vaches qui là parce qu'il est ancien, donc à Banish. Ça va une Geras, effet, ça va une Crespel. Et là, pareil que moi, t'es là. Link Summon Process Code et Good Game. Voilà une tour qu'on va mettre un deck qui est plus fort sur Jizu. Simple que si battre un deck qui est plus fort avant. Et un petit bonus duel qui est manqué de temps, Rico ça aussi parce qu'il s'agit pas extra long, ça me suis resté derrière l'heure pour round 3. Ça va nous retourner dans le groupe B, nous je trouve Altakas qui a aussi gagné et que Gino qui a aussi gagné derrière l'heure, mais qui pourra arriver si tu es des jeux contre 50. Et ça va être game 2, peut-être donc on reste 20 minutes ou bien moins, et si je me rappelle bien, Gino qui a gagné le premier duel là. Et ça va être que. En tout cas, il fallait quand il side, c'est il fallait Gino commence premier, donc il a premier pour la sword et ça a réussi à beaucoup de trap, donc il a laissé 7 encore. Tout en tout cas, extravagance, juste
7-5 en plus, mais en 27, il y a un Wally Cook. Donc, ce même parcours, il est à 5 ans là, il est en ligne. Tout j'ai le nom de son club tôt, je reçois le fait. Mais malheureusement, il n'y a pas fait sa clone, donc il est déjà Wally Cook. Toujours quand je reçois le fait, mais ça fait là, ce parcours, on fait net 4-8. So, je m'excuse que je m'excuse. Et ce profil, il y a un chauffeur en protocole. Et ça change et la première qui a fait que ça va être plus. Et Battlefield, non, Overture plutôt, je vais activer l'effet, tant qu'être Zotogan, mais il tient hyper order pour empêcher le Swell de se l'effet ouais, pour garder un Dino dans le deck dans passer 3 tokens. Et comme ça, il faisait des 3 tokens, mais toujours gagne Mist dans le cimetière, ça va. Link pour un lambda, côté un télégraphe de Jamal Gamma dans son armée. Punish 2 pour Saman Tirano. Il implore lambda, et comme ça, il Secretos bounce sur Tirano, comme ça, il peut cacher Gamma. Et dans tout Orthogas, mais le truc que je crois Z lambda, mais. Active Gamma, comme ça le gars protège ce lambda et que. Ainsi. Enfin, si je casse ça, je me search, sinon. Ouais. Mais le SIG a fait search, mais il n'est pas trop fabuleux à faire. Voilà. Et le temps fini, elle est là, donc. Dino gagnait pas une avance. Enfin, Cosmic a tué 1000 points à vie pour Orthogas et 500 damage pour Dino, mais ça n'a pas chassé pour Orthogas, parce que c'était pas ça, ça sent la différence. Hein. Et voilà, ouais, samedi aujourd'hui, la deuxième zone est terminée. Avec une petite cavalcade des plans qui vont vous mettre dans l'écran. Et ça fera là, il y a un coucou final qui est dans dimanche à Pévenila. Et ouais, mais c'est rien bien faire. Vive la prochaine, bisous à mon chacun.